Hello tout le monde, c'est Silent, on se retrouve sur Binding of Isaac After Kingrid, ouais, c'est ça hein. Allez, hop, random, boum, boum. Oh bah putain hein. Pour du random, c'est plutôt du tout bon ce qu'on a eu là. Waouh, putain, what the fuck. Non, c'est Shatland là ou... Oh. Oh. Ah, Shatland là... Je connais pas ce dé. J'ai bien envie de l'acheter pour tester. You feel cursed, kinda. Ok. On sent maudit. C'est comme si je me sentais maudit plutôt. Ah là, le double damage up, ça va être bien pour miner les trucs, hein. Vraiment. Aïe aïe aïe. Good luck. Tellement nul. Je sais toujours pas ce que fait le dé hein. Aucune fucking idée. Alors range up, c'est un peu de la bite. Il y a le petit dollar là qui nous permettrait d'acheter ce qu'on veut au marchand. Une fois. Une fois seulement. Alors, on va peut-être le prendre maintenant. Switch un peu les items. Ah, j'aimerais bien le prendre. Allez hop. Je vais prendre ça aussi derrière. Ok. On tient quelque chose là. Maintenant il faut survivre. Ça, ça va être le plus difficile de survivre hein, maintenant. Avec un point de vie. Bon, du coup le range up c'est pas mal là. Ça nous permet de rester à une bonne distance de survie.
N'espère pas tomber sur un boss à la con. Putain de merde. Ah, ces larves, elles sont horribles. Hein. J'aime bien celle-ci, mais les autres, les nouvelles, putain, elles sont horribles. Vu qu'on s'est habitué pendant des années à celle-là, on change complètement le gameplay où on n'a pas vraiment le droit d'esquiver juste avant qu'elles nous touchent. Si elles explosent, ben c'est la merde. Donc ça fait un petit peu chier. Alors, on va faire péter ça. Yeah, switch un peu. Ah, Squeezie. Ok. Dans des tirs de porc et les deux sous l'ordre surtout. Ok. On peut acheter encore un item si on veut. On pourrait prendre ça, mais bon. Allez hop, juste comme ça, pour le fun. On va le prendre pour le petit cœur supplémentaire. Et le heavy lop qui va donc renforcer les chances de voir Satan plutôt que l'orange. Voilà. La... Je sais pas, le fight de la gratuité. Putain de merde! Alors lui il va nous mettre masse sous l'heure, puis qu'on peut prendre ça d'abord. Puis ça. Puis ça quoi. Oh mon dieu quoi. What the fuck. Oh, mais c'était abusé là. Putain j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah bah oui. Le petit point de vie. Ah, ça fait un temps que j'ai pas eu mon arme favorite, hein. Le Mom's Knife. Ok. Putain mais c'est abusé cette run. Ah c'est bien ouf quoi. Incroyable. Ok on va faire péter ces petits bonobos là. Aïe. Ah. C'est ça que ça fait le curse. Ça a transformé tout. Ça change tous les cailloux. Ok bon, c'est pas fou mais... Sur le coup ça m'a permis de récupérer deux bombes. Why not? Ah quand on prend des dégâts ça change les trucs. What the fuck. Ok c'est intéressant. Yes mother. Bad trip. Bon. J'aimerais bien prendre ça aussi mais on n'aura pas cette thune. Le double knife quoi. Ouais, juste pas cette thune, c'est dommage. Aïe. Non, pareil. Krampus Head, je crois que c'est plus utile que ces petites pilules. Attendez, du coup si je me fais dessus ça va changer l'item ou pas?
Non. Fuck. Ah mais si on fait péter lui, peut-être qu'on aura assez. Ah mais de toute façon ça me sert à rien avec le mob snipe je crois. Pour ça plutôt. Voilà. Ok, on y va. Et on va déjà starter économiser un peu. Allez, on économise. Tac, tac. Hop. Ah! Ah mais... Putain. Limp of coil... Coal... Coil... Coal... 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 ça peut être pas mal. Peut-être le prendre... Quoi que je sais pas, on a tellement des bons dégâts déjà. Ouais, des putains de bons dégâts quand même. Putain, on joue comme un cul là. Oh. What the fuck? On vient de changer toutes les pièces en des conneries. Tellement cool. Peut-être qu'on peut encore faire plus de trucs ici en fait, on met plein de choses. C'est marrant ce petit dé, j'aime bien, on peut bien l'exploiter pour faire plein de conneries avec. Par contre les pièces j'aurais bien voulu les garder en fait, donc on va peut-être l'abandonner. Parce que je me dis que j'aurais plus de pièces si je me fais trop toucher du coup. Vaut mieux éviter les conneries, on va le laisser là. Explosive diarrhea. Ok, on y allait. Oh putain, j'ai marché sous son pas exprès. What? Je l'ai pas eu? Ouais. Oh. Putain mais la portée de mon mom's knife, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a un problème avec la portée du mom's knife là. Pas de trip. Question marks. What the fuck? Allez. Oh putain. Allez pour le fun. Allons-y. Yeah. Trop sexy mon Isaac, enfin mon Kane plutôt. Mais ça, la vague vraiment qui bug, c'est incroyable. Ok. Tac. Hey.
Je sais plus ce que ça fait. Feed them hate. Je sais pas. Et le buddy, je crois qu'il marche pas avec le Mavs Knife, si je m'en souviens bien. On veut absolument rien. Ouais, je vais se faire péter ça. Yeah, much money. Go. Voilà. Comme ça, je pourrais dire que je l'ai utilisé. J'ai un peu oublié de l'utiliser, ouais. Je l'avoue. On va casser ça, donc je me le prends en plein de points. Que ce ne soit pas cool. Alors, on a un petit Synthoil qui traîne. J'avais encore une clé. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai été dessus, mais je crois que j'avais pas de clé. What the fuck? Je sais plus trop. Folilf. Regardez le Folilf, ça sera meilleur. Ok. Ok. Ah, c'est une pisse, hein. Ah, c'est une run trop gratuite pour être vrai, quoi. C'est incroyable. Pas une bonne idée. Bon, ça me donne un item avant de mourir. Impress. Ouais, ce serait pas mal du tout d'augmenter encore nos dégâts. Là, on va prendre ça. Puis on va prendre ça. Furilf, hein, bah, du coup, on s'en bat un peu les testicules. Par contre, le bad trip, je crois que ça m'a rajouté un point de vie. On a 99 pièces, ok. On est le mec le plus riche de la planète. Allons-y. C'était une difficulté hallucinante ce fight. Oh, le Mob Snake qui fait tellement mal. Ah, tu vas subir mon coup, hein. Tu m'as enlevé un point de vie là. Pas bien du tout. Hop, c'est plein d'ennemis. Voilà, comme ça c'est fait.
What the fuck? Vraiment? Ah mais c'est peut-être par jour que c'est lock le grid en fait. J'ai l'impression que la machine ouais. Elle est... Faut que j'aille revoir la vidéo. Je reviens tout de suite. Je vais aller voir ça combien j'étais de base. Ouais donc j'ai commencé à 9%. Je sais pas si c'est un jet de dé aléatoire ou si on recommence au chiffre qu'on était ce jour-ci. Je sais plus à combien j'étais vu que c'est la troisième que je fais là. J'en ai aucune idée mais je pense que j'étais autour des... Ouais 9% en tout cas. En tout cas. Bah du coup 10% c'est un peu short, c'est une pièce sur 10 ça arrête la machine. C'est plus très rentable. Du coup on fera peut-être autre chose si je fais d'autres vidéos aujourd'hui. On verra bien. En tout cas, moi je vais m'arrêter là du coup pour cette fois. J'aurai pas le temps de faire une autre run complète et j'ai pas envie de faire du coup un grid qui est pas rentable. Bref, du coup ben je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, à bientôt, ciao ciao.